and also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Bonsoir et bienvenue à cette émission de sport dont je me fais l'honneur de vous présenter. Deux titres seront au menu de ce magazine. On va parler du Libreville Fitness Tour. C'est pour le 21 mai prochain. Le tout sera organisé aussi bien dans la commune d'Akanda, Libreville et au 22. On va parler de football avec ses hommages mérités pour Moïse Brouh Apanga, ancien international gabonais, décès survenu il y a de cela quelques semaines à la suite d'un arrêt cardiaque, avec un dossier spécial. Aujourd'hui, on va parler de cet imbroglio qui règne autour du logo de la Fédération gabonaise de football. Pour en parler, je suis avec Mouiti Christian, consultant TVS. Bonsoir, monsieur Mouiti. Bonsoir, Ephraim. Et juste à sa gauche se trouve Yasser Mikolandon. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant que de développer tout cela, je vous invite à regarder ces séances autour juste derrière. Comme je l'ai dit à l'entame de ce magazine, je suis avec Mouiti Christian, consultant TVS. Juste à sa gauche se trouve Yasser Mikolandon. On parle de sport, direction le ministère de la Jeunesse et des Sports, où vient de naître Libreville Fitness Tour. C'est pour le 21 mai prochain. Ce rendez-vous donnera l'occasion à près de 5000 femmes de se donner rendez-vous autour de la pratique de sport, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, pour ce faire, 5000 femmes seront réunies dans la commune d'Akanda, au Vendo et Libreville. Le premier coup d'envoi, quant à lui, sera donné le 21 mai prochain. Je vous invite à suivre ce reportage. Durant 400 midis dans les communes d'Akanda, Libreville, au Vendo, se tiendra la première édition des Libreville Fitness Tour, qui doit réunir près de 5000 femmes autour d'un ensemble d'exercices physiques qui tourneront sur la musculation, le cardio-training et bien d'autres activités. Tout cet ensemble d'éléments aura pour but de participer au rapprochement des peuples et à la prévention de certaines pathologies. L'initiateur de ce concept étant le ministère des Sports, il était plus qu'opportun pour ses responsables de mettre de la lumière autour de cet événement. L'organisation du Libreville Fitness Tour est donc une offre alléchante, parfaitement taillé sur mesure afin de répondre aux besoins des publics qui demeurent encore aujourd'hui éloignés de la pratique des activités sportives pour les motifs d'ordre sociaux, économiques ou matériels. Je reste donc convaincu que le Libreville Fitness Tour, qui se déroulera sous la supervision des experts chevronnés en la matière, permettra aux participantes de bénéficier pleinement de tous les bienfaits de la pratique de ces activités sportives et physiques. S'agissant des villes qui serviront de théâtre pour ce premier rendez-vous, Fitness Tour, en quelques chiffres, c'est trois communes, donc Libreville, Ovendo et Akanda. C'est quatre sites principalement. On a le premier site, c'est le site de la commune officielle au bord de mer. Ça sera la première étape, donc le samedi 27 mai à partir de 8h. Ensuite, nous irons du côté de la gare d'Ovendo le samedi 3 juin, et ensuite nous serons du côté du stade de Zangayan le samedi 10 juin, et on va boucler la caravane avec l'étape d'Akanda sur l'esplanade du stade d'Abondje le samedi 17 juin. 3 heures d'activité sportive seront offertes aux participantes à chacune des étapes avec l'appui des sponsors de l'épreuve.
une belle initiative pour le ministère de la Jeunesse et des Sports qui va mettre là des moyens assez conséquents pour permettre à ces jeunes dames de pratiquer l'activité sportive. Monsieur Mouti, vous qui êtes un consultant, vous qui aimez la pratique du sport, une nouveauté tout de même. Oui, c'est une nouveauté, comme vous le dites, c'est à saluer, parce que c'est quand même spécifique, ça ne s'adresse qu'aux femmes. Oui. Mais vous auriez aimé que les hommes soient mêlés à la fête? Oui, parce que le sport est universel, donc les hommes pratiquent également du sport. Donc le ministre a préféré effectivement que ça commence avec les femmes. Je ne sais pas trop si bien si les hommes sont prévus à Londres. Mais ce qui est positif, c'est que ça va permettre aux femmes de faire du sport, parce que le sport a des aspects bénéfiques sur le plan de la santé, n'est-ce pas? Et ça pourrait peut-être, pourquoi pas, stimuler les femmes parmi ceux qui vont arriver à perpétuer, à continuer effectivement de faire dans le sport. Oui. Mais je pense que ce que moi j'attendrais du ministère, c'est de pérenniser ce genre d'événement en offrant la possibilité effectivement aux femmes, et même d'ailleurs à la population d'une manière générale, de faire en sorte qu'on puisse pratiquer le sport. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, dans les arrondissements... Encore que Libreville a un manque criant d'espace pour la pratique du sport. Voilà, la pratique du sport de masse, parce que ça rentre un peu dans ce cadre-là, a des problèmes dans notre capitale. Donc, on a des arrondissements au sein desquels on n'a pas de stade, hein, que ce soit de foot, de basket... Et c'est quand même difficile. Or, le sport de masse est très important parce que c'est le sport de masse qui irrigue le sport amateur. Oui. Et le sport amateur lui-même va irriguer le sport professionnel ou le sport d'élite. Donc, ça me semble être important que le ministre, effectivement, aille beaucoup plus loin que ça pour intéresser davantage tout le monde. Toujours sur la même lignée, Réjeanne Daniel, l'une des co-organisatrices de cet événement, nous dévoile ici le bien fondé de ce rendez-vous. Reportage. Fitness, c'est du cardio, de la muscu et des cours. La muscu, c'est la musculation. Le premier cours qui sera donné, ce sont des cours de 30 minutes. Le premier cours qui sera donné, ce sera les abdos fessiers. Les abdos fessiers consistent à muscler les cuisses, le ventre et les fesses. Ensuite, vous avez le maintien squelette. Le maintien squelette consiste à muscler toute la partie du haut, le dos, les bras et les épaules. Ensuite, on aura un cours de Zumba. La Zumba, c'est une danse rythmique sous des pas de salsa, merengue, cha-cha-cha, qui nous vient des pays latinos. Ensuite, il y aura 30 minutes de stretching. Le stretching sert à s'étirer après chaque mouvement sportif pour ne pas avoir des courbatures ou se faire des blessures. Donc voilà, en gros, les cours qui seront proposés à chaque fois en 30 minutes avec une pause de 5 minutes en chaque cours pour que les femmes puissent récupérer. Les bienfaits de ces exercices, ce sont des exercices qui sont très simples à pratiquer, que chaque femme peut pratiquer chez elle. Ça prend entre 5 et 10 minutes et je pense que chaque femme peut consacrer 5 minutes à son bien-être. En 15 minutes, on peut faire des abdos, on peut faire des exercices de renforcement musculaire au niveau de son fessier et de ses bras. Pourquoi ces cours? Parce que ce sont des parties qui sont très sensibles chez la femme. Après les maternités et l'âge, nous avons donc certaines parties de notre corps qui prennent un coup. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ces cours-là qui auront des exercices vraiment très faciles à reproduire chez elles. Donc j'espère que les femmes répondront massivement à cet appel parce qu'une femme qui fait du sport est une femme qui est en bonne santé, est une femme qui est moins stressée et c'est une femme qui est sûre d'elle. Et pour qu'une femme soit sûre d'elle, il faut qu'elle se sente bien dans sa tête. Le sport évite beaucoup, non seulement beaucoup de maladies cardiovasculaires, d'hypertension comme on l'a dit, le sport évite le stress. Donc quand on est moins stressé, on se sent mieux et on applique au mieux ce qu'on fait dans sa journée, au niveau de son travail, même au niveau de son cadre familial. Donc le sport, moi j'aimerais que le sport, je lance un appel à toutes les femmes gabonaises, le sport doit être au jour d'aujourd'hui une passion. La femme gabonaise doit se mettre au sport. Nous avons déjà le marathon où on court la gabonaise. Vous avez des femmes qui courent le 21 km, vous avez des femmes qui font le 42 km.
Le sport aujourd'hui n'est pas juste quelque chose qui est réservé aux hommes. Les femmes sont capables de faire du sport et d'être tout aussi productives dans la vie de tous les jours. Là, vous venez de suivre les explications de la co-organisatrice de cet événement. Il s'agit de Réjeanne Daniel. On quitte Libreville pour la capitale économique Port-Gentil. En l'absence du Cross Zouri depuis pas mal d'années déjà, les autorités administratives de cette province a-t-elles organisé le 10 km de la ville de Port-Gentil pour se faire la série des inscriptions est désormais lancée. Retrouvons Marie-Fernanda, les médias plus Port-Gentil dans ce reportage. Juniors, seniors, vétérans, hommes et femmes confondus, ils auront pris d'assaut les stands d'inscription aux 10 km de Port-Gentil, course d'athlétisme qui sera organisée dans notre cité le 25 juin 2017. Privés de leur passion depuis l'arrêt du cross Ozori, ils tiennent à renouer avec celle-ci. Ça fait pratiquement 3 ans de cela que nous n'avons plus vu le cross Ozori. Maintenant qu'aujourd'hui nous avons le 10 km qui va se courir à Port-Gentil, ça me réjouit et c'est la cause pour laquelle je suis venu m'inscrire parce que je suis un habitué du sport. Il va falloir que je travaille d'arrache-pied pour mériter d'être parmi les 5 premiers. Ce qui me pousse à participer d'abord au cross, c'est d'abord pour garder la forme et pour voir les capacités que j'ai. J'ai fait 12 km et par contre ça c'est 10 km, donc moins par rapport à ce que j'ai fait aux années antérieures là-bas. Les 10 km de Port-Gentil, cette course est ouverte à tout type d'individus âgés entre 16 et 97 ans, hommes comme femmes, que vous soyez coureur occasionnel, amateur ou professionnel, vous avez la possibilité effectivement de participer à ce rendez-vous sportif. Se frotter aux coureurs expérimentés, parmi lesquels le champion du monde de la discipline, semble être une motivation de plus au-delà des récompenses prévues par les organisateurs. Bon, c'est un sentiment d'abord de fierté de participer avec un grand champion. Et bon, je ne peux pas avoir peur. Ça fait rehausser un peu le niveau de l'athlétisme au niveau du Cap. À la clé, il y a des podiums. Il s'agira notamment d'un podium au général en ce qui concerne le classement de tous les coureurs. Donc les 3 premiers seront récompensés. Il y aura également un podium pour les amateurs et un podium pour les seniors, hommes, femmes. Et à la clé également, comme je l'ai dit, hormis la récompense financière, il y aura d'autres lots, une centaine de bons d'achat, il y aura de l'électroménager, il y aura des ordinateurs portables et bien d'autres lots pour récompenser toutes ces personnes-là qui viendront participer au 10 km de Port-Gentil. L'essentiel étant de participer à la fête de l'athlétisme dans la cité pétrolière, cette invite est adressée aux populations. Venir massivement se faire inscrire parce qu'il y a quand même de l'eau à gagner et puis pour l'amour du sport, pour que la fête soit grandiose. En tout cas, j'invite tous les jeunes à venir s'inscrire, soit au Super C cadeau à la foire municipale. La récompense particulière sera la médaille de finisher. Que vous terminez premier ou dernier de la course, vous aurez droit à une médaille de finisher, mais également un certificat de participation où il sera marqué votre temps de référence. Le parcours en circuit urbain devrait permettre à Port-Gentil, à travers ses différents quartiers, de vibrer au rythme de la course à pied le temps de cette compétition. Nous quittons Port-Gentil, on revient à Libreville, on parle à présent de natation. Un tout nouveau bassin pour la Fédération Gabonaise de Natation qui doit organiser le 21 mai prochain le championnat national de la discipline. Près d'une centaine d'athlètes sont attendus pour cet événement. Nous avons rencontré pour ce faire Tristan Pambo, président fédéral, qui nous explique ici le déroulé de cette compétition. Reportage. Nous organisons au mois de mai le championnat national de natation du Gabon. On le faisait initialement aux prytanées militaires depuis les 3 dernières années, mais cette édition, nous allons le faire ici, au Badanier, dans ce super complexe privatif. C'est une piscine homologuée aux normes, donc 25 mètres. Et le cadre est très propice pour ce type de compétition. Pourquoi aujourd'hui on localise pour venir au Badanier ou de la prytanée militaire? Bah écoutez, déjà la piscine du prytanée militaire doit connaître quelques travaux de réfection. Il y a un problème au niveau du système d'infiltration. Et en accord avec les autorités du prytanée, donc on va mettre en place un plan justement pour essayer de refaire un peu un certain nombre de travaux de façon à ce que l'année prochaine nous soyons accueillis dans des meilleures conditions. C'est pour ça que cette année nous avons pris soin, vous allez regarder un peu autour, la piscine est en parfait état. Et pour la sécurité des gamins, nous avons pensé qu'il était mieux de le faire dans ce cadre-là.
Alors, quelle innovation cette année dans ce championnat national? Écoutez, la première innovation, c'est que aujourd'hui, par rapport à l'année dernière où nous avons eu 62 athlètes, aujourd'hui nous avons 102 athlètes sur pratiquement une centaine de séries, avec pratiquement toutes les catégories, donc d'avenir jusqu'à master. Ça fait pratiquement 7 catégories, ce que nous n'avons pas eu l'année dernière. Donc je crois que là, il y a beaucoup de progression, parce que nous sommes partis d'un championnat avec une cinquantaine d'athlètes il y a 3 ans, avec un championnat aujourd'hui avec pratiquement 160 athlètes, parce que c'est une performance. Le présent, combien de ligues sont appelées à prendre part à cette compétition nationale? Actuellement, 3 ligues sont en lice dans cette compétition, donc la Ligue de l'Estuaire, la Ligue de Franceville et la Ligue de Port-Gentil. Et je crois que c'est la Ligue de l'Estuaire et la Ligue de Port-Gentil qui battent un peu le record d'athlètes actuellement. Alors après 3 ans de compétition aujourd'hui, comment juge un peu le niveau de la natation pardon? Je pense qu'il y a quand même, en dépit de la faiblesse des infrastructures, il y a eu beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, par exemple, on a vu des avancées dans les records, de la part de surtout des plus petites catégories, donc les poussins, les minimes et les avenirs. On a remarqué beaucoup de progression à ce niveau-là. Au niveau de l'encadrement aussi, on a constaté beaucoup d'améliorations, parce que vous savez qu'on ne peut pas faire de natation si on n'a pas un bon encadrement. Nous avons organisé depuis 3 ans pratiquement 3 grandes formations avec l'accompagnement de la FINA, la Fédération Internationale. Nous avons donc des encadreurs qui commencent à être au niveau. Et dernier point à souligner aussi, c'est au niveau des juges. Vous savez que au niveau de la natation, nous avons des encadreurs, nous avons des officiels qui doivent superviser les compétitions. Et si vous n'êtes pas qualifié, si vous n'êtes pas bien formé, vous ne pouvez pas officier dans de très bonnes conditions. Là aussi, il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations. Ça laisse présager vraiment un avenir serein pour notre jeune fédération. Nous quittons les piscines, direction les rings, on parle de boxe, on va tout de suite du côté du gymnase du Brittany, militaire de Libreville, où la Fédération Gabonaise de boxe vient d'organiser le tournoi d'évaluation interligue. Plusieurs ligues étaient présentes pour ce premier rendez-vous du tout nouveau président de cette fédération. Il s'agit d'Alfred Bongo Ondimba, Yasser Mikolandon, vous qui étiez du côté du gymnase du Brittany, militaire de Libreville. Est-ce que les combats étaient de bonne facture, tout premièrement? Présence de lieu, les combats étaient de bonne facture. Pour le président fédéral, le tout nouveau président fédéral, il était question d'organiser un gala d'évaluation des performances interligues afin de détecter tous les meilleurs combattants de 9 provinces. Un gala qui s'est d'ailleurs très bien passé. Là-dedans, on a pu capter quelques jeunes pugilistes gabonais qui peuvent assurer la relève de demain. D'accord. Donc, en dehors de cette compétition qui vient de se tenir du côté du gymnase du Brittany militaire de Libreville, est-ce que le président, vous qui l'aviez approché lors de cette compétition, a annoncé des sorties prochaines de cette fédération, sur le plan local, bien sûr? Sur le plan local, il a juste promis qu'un championnat sera organisé, vu que le ministère des Sports a promis qu'il n'y aura plus de championnat international s'il n'y a pas de compétition sur le plan local. Ouais. Et par ailleurs, le président de la fédération a dû remettre certains kits à tous les boxeurs, que ce soit les perdants ou les gagnants. Monsieur Mouti, c'est quand même une innovation, parce que Nicole Assel a frappé le poing sur la table. Elle a dit, je cite, plus de sorties à l'international si sur le plan local on ne fait pas ses preuves. C'est-à-dire, des fédérations, tu n'organises pas des compétitions en interne, plus question d'aller s'inscrire à l'international pour dire, écoutez, bon, nous venons représenter le Gabon, par exemple en taekwondo, alors que sur le plan local, il n'y a rien eu du tout. Oui, je pense qu'il faut le souligner, le ministre est arrivé avec de bonnes intentions. On voit qu'elle brandit à chaque fois non seulement l'aspect réglementaire, on l'a vu avec l'organisation de certaines élections au niveau des fédérations, elle insiste sur le respect des normes.
mais également elle s'attaque sur un point crucial, c'est celui de préparer nos athlètes pour prendre part à des compétitions internationales. Il faut quand même souligner qu'il s'agit du pays, de l'image du pays qu'il faut aller défendre. Oui. Et il n'est pas toujours bien comme ça que le ministère dégage des moyens et qu'à la suite, on a des résultats, de mauvais résultats. Elle avait commencé déjà, je pense, avec le football. Là, il y a eu, avec la nouvelle fédération, une sélection de femmes qui n'étaient pas allées prendre part à une compétition internationale parce qu'elle estimait qu'il n'y avait, ouais, pas de championnat. Et qu'en amont, ils avaient déjà perdu, je crois, 7-0 devant la RDC. Voilà, qu'il fallait prendre un forfait, je crois que c'était ça. Oui. Donc, ça va peut-être permettre aux fédérations, pousser les fédérations à essayer de tout faire pour que sur le plan local, il y ait des compétitions. Il n'y a que la compétition pour préparer une autre compétition. Et pour ne pas vous arracher la parole, hein, et ça nous rattrape aujourd'hui, notamment avec les résultats des Panthères U17 qui ont perdu 5-1 contre la Guinée-Conakry. C'est parce que sur le plan local, il n'y a véritablement pas de compétition des jeunes. Oui, c'est triste, il faut le souligner. Personnellement, je ne croyais pas quand on m'a dit que les Panthéros avaient perdu par 5-1. Je pensais que c'était l'inverse au départ. Oui, oui. Mais après, écoutez, je regarde les résultats, c'est difficile. Bon, le championnat chez les jeunes, oui, il n'existe pas. Il y a la province de l'Estuaire qui a fait un championnat provincial. Mais sur le plan national, j'avoue qu'on n'a pas une perception d'une réelle politique, n'est-ce pas, mise en place par la FEGAFOOT pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un suivi progressif, n'est-ce pas, de la progression des jeunes joueurs. Il n'y en a pas. Ils ont organisé un tournoi, je pense, à la veille de cette compétition, un tournoi de 2 semaines qu'ils ont appelé, je ne sais pas trop bien, je crois, champion national. Une détection, il y avait plusieurs jeunes. C'était un tournoi de détection, voilà. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont pris part, d'ailleurs. Sauf qu'à l'arrivée, on a retenu quoi, 11 joueurs d'une équipe, 6 d'une autre, et puis après... Ils sont en majorité, je pense, 10 de l'Académie de Libreville, et pareillement pour l'FC Mounana. Donc, je pense qu'il y a 11 de l'Académie, voilà, 6 de Mounana, 1 de CMS, 7 de, je crois, Manga, et après il y a 2 ou 3 autres clubs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a pu constater. Il faut mettre en place des championnats qui se pérennisent, parce que la FIFA a des normes. Oui. Un championnat de jeunes, pour qu'il soit considéré comme championnat, il faut au minimum 6-7 mois quand même. Il faut, puis, voilà, puis, de manière régulière. Oui, et puis on constate quand même que ce phénomène est quand même présent en Afrique centrale. On voit en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs compétitions des jeunes qui sont organisées entre États, mais en Afrique centrale, c'est quasiment inexistant. Oui, mais il faut aussi rappeler que le Congo s'est qualifié presque souvent dans les catégories de jeunes, hein, oui. Le Congo-Brazzaville. Ouais. Il faut souligner que le Cameroun, qui est là dans cette compétition, a été championne, je crois en 2003, oui. Championne de U17. C'est dire qu'au sein de ces pays, il y a peut-être une autre forme d'organisation qui permet à ces équipes de jeunes de briller sur le, oui, plan international. Oui. Même s'il n'y a pas de tournoi régulier, il y avait le temps l'UNIFAC, qui regroupait généralement à Limbé les U-17. D'ailleurs, j'ai été là-bas en 2009 avec une sélection de U-17. Qui n'est plus que le nom aujourd'hui. Hein? Voilà, qui n'existe plus. Donc, c'est vrai qu'il faut, au-delà de ce que je viens de dire, que l'UNIFAC puisse reprendre l'organisation des compétitions de manière à donner la possibilité à nos jeunes, oui, de pouvoir s'aguerrir pour éventuellement se donner beaucoup de chance lorsqu'il y a des phases finales de la CAN, comme c'est le cas présent également. Ouais, d'accord. Et excusez-moi, oui, vous le dites si bien, les deux équipes qui ont perdu, là, le Cameroun a pris 4 contre, oui, le Ghana. Ghana, oui. C'est des équipes d'Afrique de l'Ouest. Oui. Le Ghana a 2 titres, oui, et a une régularité dans ses compétitions. Le Gabon a perdu 5-1, comme par coïncidence, ces deux équipes de l'Afrique centrale. Oui. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, comme vous le disiez tantôt, certainement a pris le devant et a une bonne, ouais, organisation au niveau de ces compétitions en catégorie des jeunes. Oui, et déjà qu'il n'y a pas longtemps, je crois que le Bénin a abrité un tournoi international des écoles de football. Hein. J'ai regardé ça sur une chaîne de télévision de La Place. Et c'était une bonne chose. Des recruteurs sont venus à travers la planète sur ces jeunes joueurs, voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et ça a
donne aujourd'hui les fruits que nous voyons aujourd'hui. La Guinée-Conakry qui massacre le Gabon, hein, 5 buts contre 1, et le Cameroun qui tombe aussi les armes à la main face au Ghana, 4 buts à 0. Bon, on va revenir, ça, c'est une parenthèse. On a noté la défaite de FC Mounana hier face au Ghana. Voilà, ça c'est dans le cadre de la Coupe des Confédérations, on va en parler dans cette émission. Le temps pour nous de partir du côté du gymnase du Britannique Militaire de Libreville, vous proposer cette ouverture du gala d'évaluation Interligue organisé par la Fédération Gabonaise de Boxe. Le commentaire est signé de Yasser Nicolandon. Nouvellement élu à la tête de la Fédération Gabonaise de Boxe, Alfred Bongon Dimba a procédé à l'ouverture des activités au sein de la Fédération le week-end écoulé. C'est le gymnase du Britannique Militaire qui a servi de cadre au gala d'évaluation des performances Interligue organisé par la Fédération. Venus des quatre coins du pays, athlètes et dirigeants ont répondu présents à l'appel du président fédéral. En ouverture des hostilités, dissouvant le Sen de la Nyanga coin rouge opposé à Bayola du Moyen Ougo coin bleu chez les moins de 52 kg. Idem pour ce Gaspard de l'Est-Tueur 1 face à Mapago de l'Est-Tueur 2. Était également de la partie à Saint-Marie Est-Tueur 1, opposant Nzamba Liusser de l'Est-Tueur 2, le bras de fer s'est soldé par un match nul. L'entrée en liste de Tessayaya, dit à lui du Gabon, va donner du volume à la soirée. Opposant Itumba du Bienvenu de l'Angounier, le premier cité, gagnera son match par un KO. Les deux combattants seront finalement suspendus après avoir eu un échange de mots. Satisfait du niveau de la compétition et de l'ensemble des activités au sein de ce gala, les pugilistes ne cachent pas leurs sentiments. Ce gala, il fait honneur à mon coach. J'assume tout ce qu'il m'a dit. Il fallait faire plaisir à mon jeu et à ma province. Donc, je suis très fier de moi, très content de ce gala. Je remercie encore le président qui a organisé cette compétition. Vraiment, j'attendais ça vraiment de lui. Je m'amusais avec lui, moi je savais que lui ne pouvait rien aller pour moi, j'avais confiance en moi, du coup je lui disais dans ses conseils, mais il n'y a rien, moi il ne me fait pas peur, du coup moi j'ai été harassé, parce que j'ai confiance que mes entraînements et ma condition physique, ça me coach et je le remercie encore pour moi. Enfin. Une idée pour cette compétition, mon idée en fait c'est d'aller plus que là, et puis peut-être espérer sortir du pays, pourquoi pas, moi ça me fait un plaisir, hein, et combattre pour le pays, hein, parce qu'il y en a beaucoup, les anciens, qui en ont abandonné comme ça, en chemin. Mais moi, je veux montrer que grâce à ces anciens, il y a la jeunesse qui vient et la jeunesse est prête à tout. Et là, je suis vraiment prêt à ce que j'attends le champion national et je confirme. Alors, quel grand combat, vu que c'est un adversaire que je connais bien. En fait, quand il dit adversaire, vous allez comme nous, lui, au moins, mort, c'est là, même que c'est-à-dire au niveau du Gabon. Et déjà que lui, il est dans les grandes catégories. En fait, c'est moi qui suis allé le trouver dans les lourds. Alors par contre, je ne boxais pas en lui. Boxer dans une catégorie inférieure à celle-ci. Donc, c'était vraiment un combat difficile. Sa reconnaissance, son palmarès. Ici, au niveau du Gabon, il n'a pas d'adversaire. Alors, comment vous avez fait pour ça? Bon, j'ai gardé mon sang-froid. Vous savez que la boxe est toujours la même. C'est-à-dire, la même boxe que Mohamed Ali était de mon père. La même boxe que nous aussi on fait au niveau du Gabon. Malgré que les sociétés sont différentes. Pourquoi? Parce que leur époque où dans leur société, par exemple aux États-Unis, c'est rémunératif. Alors que ici là, après ces combats de bonne facture, Yasser Nicolandon a tendu son micro.
Alfred Bongo Ondimba, du reste président de la Fédération gabonaise de boxe. Je vous invite à suivre ce qu'il pense du contenu de cette compétition. Reportage. Écoutez, la soirée était déjà intéressante. Le fait que tous les présidents de ligue aient répondu à l'appel, je vous remercie. La présence du ministre a été une agréable surprise, d'accord, puisque cette présence a rehaussé un petit peu l'ambiance et nous a conforté dans nos positions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette compétition est particulière pour la simple et bonne raison que, avec le président de ligue et le directeur technique, nous entamons déjà une procédure de présélection afin de déceler de nouveaux talents en vue de former une nouvelle équipe nationale. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a eu de beaux combats pendant ces deux jours. Peut-être pas tout à fait satisfaisant, mais très encourageant pour l'avenir. Le gymnase du Prytanée militaire de Libreville, on parle aujourd'hui de la balle orange dont il s'agit de basketball direction. Le plateau extérieur du quartier Licola qui a abrité tout récemment la Bad League de basketball qui a relancé ses activités de ce côté de la ville. Plusieurs jeunes se sont retrouvés dans le cadre d'une compétition. Retrouvons Mosconi Ngonumba dans ce reportage. Ils étaient plus d'une quarantaine de jeunes réunis autour du basketball ce week-end au plateau sportif du Licola. La Bac League, dans sa quête de jeunes talents, entend pérenniser cette initiative qui vise à promouvoir le basketball gabonais. En créant la Bac League, on est parti d'un constat, c'est que les jeunes s'entraînent beaucoup, mais ils ont très peu d'espace d'expression. Donc, cette plateforme est pour eux l'occasion de venir montrer quelles sont les différentes progressions qu'ils enregistrent au cours de leurs différents enregistrements. Et nous utilisons le basketball comme prétexte pour pouvoir les sensibiliser à un certain nombre de choses. Donc il faut qu'ils puissent avoir les notions et les valeurs nécessaires qu'un leader doit avoir, c'est-à-dire avoir l'esprit d'équipe, vouloir gagner et accepter de perdre une fois que c'est. Des jeunes engagés à démontrer leur talent au cours des tournées organisées par la Bac League prouvent à chaque sortie qu'eux aussi ont un rôle important dans la redynamisation et la nouvelle vision qu'incarne le président fédéral, qui est celle d'initier les plus jeunes à cette discipline sportive afin de ramener l'amour du basketball qui était autrefois l'élément déclencheur des bonnes prestations de notre équipe nationale et même des plus jeunes. Mais si c'est le meilleur Kembo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas mis la tienne et quitté le week-end de fin d'année. Quand il a fait les mêmes trucs, c'est même pas toi déjà. Oh, fais comme moi, c'est parce qu'on parle du vrai football. C'est les gars comme les Messi. Mais je ne connais pas. C'est pas que le Messi, ça. Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? Tu n'as pas quoi? Non, mais tu n'as pas quoi faire comme raconte ton. Je ne sais pas quoi faire comme raconte ton. Grand. Quand vous avez l'action que Moulunga fait au championnat national, là. Oh non. Petit. Si tu respectes beaucoup. Mais quand on parle du vrai football, ne viens pas nous parler du championnat national. J'ai plus l'impression que moi je peux marquer plus de 7 buts seuls. Vraiment, j'ai pas trop. Bouge. Les gars, y'a qu'un problème. C'est vous qui parlez mal du championnat national. Vous allez voir ce qu'il y a aujourd'hui. Quoi? Hey Big, si c'est le Big, on m'a bugué. Le football à présent avec le championnat national de première division, pas sur le terrain, mais avec une note assez triste, le décès de Moïse Brou à Panga. Sa dépouille a été installée, présentée le week-end dernier du côté du stade d'Enzrayon. La consternation était à son comble. Monsieur Christian Mouti, vous qui l'avez connu en qualité d'arbitre.
Vous avez dû souvent officier certaines de ces rencontres où il était sur l'aire de jeu. Oui, évidemment, plusieurs matchs d'ailleurs, parce que c'est un joueur qui joue au Canot 105 à l'époque déjà, les années, oui. Je crois, 2005, 2006, oui. Ou un peu avant qu'il ne parte là pour l'Europe. Donc on a plusieurs fois été ensemble sur les terrains. Donc, vous imaginez que les arbitres également ont des rapports, échangent des rapports avec certains joueurs, et un monsieur comme celui-là qui... était très respectueux et qui établissait des relations avec des intéressements, hein, oui. Avec ses coéquipiers, avec la plupart des gens avec qui il avait des relations. Non, je loue l'humanité qui le caractérisait. Je l'ai côtoyé personnellement. Donc c'est vraiment une nouvelle triste qui attriste le pays parce qu'on perd là une valeur, même s'il était... En fin de carrière, mais quelqu'un comme ça qui aurait mais pu apporter, poste, transmettre. Mais à ce poste, oui, à transmettre ses connaissances aux plus jeunes. Voilà, par les reconversions, effectivement, aujourd'hui, qu'on connaît les joueurs, hein, en tant que dirigeant, entraîneur, manager, bref. Mais je pense qu'on a toujours besoin des hommes expérimentés pour transmettre des connaissances, des savoirs, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes, effectivement, d'être formés, pourquoi pas de les remplacer. Est-ce que ce décès n'est pas un décès de trop, un peu, dans le milieu sportif gabonais, surtout lorsqu'on sait que nous avons emboîté la professionnalisation de notre football il n'y a pas très longtemps et qu'aujourd'hui, on continue à assister au décès des joueurs sur l'aire de jeu? Oui, bon, il faut dire que les décès sur les terrains sont arrivés même dans les terrains les plus, enfin, on va dire plus professionnels, dans les championnats les plus professionnels. Mais c'est des cas rares maintenant. Voilà, on a quand même connu des morts subites. Mais je crois que c'est une question complexe qui concerne... Fouet est une oui, un exemple qui est décédé à la Coupe des Confédérations. Voilà, c'était une image triste. On suivait tous le match et puis on voit un joueur s'écrouler qui tombe. Après Fouet, il y a eu bien d'autres. Hein. Au Cameroun, il y a eu d'autres joueurs qui ont connu la mort subite. Au Gabon, c'est Chingoma, c'est Nono, c'est Nono. Cédric. Et plus récemment, il y a... Wilfried Lundu qui est mort à Likaki, en fait, dans l'équipe de Likaki à Fougamou. Oui, et il y a un autre aussi qui est mort, je crois, l'année dernière, dessus d'un choc. Je crois que c'était un gardien de but, gardien de but, je ne sais pas, je crois. Bongoville, comme oui, ça. Oui, voilà, sur des contacts. Oui, oui. Bon, là encore, il y avait eu un contact. Les autres sont décédés comme ça. Un joueur va, il s'entraîne et puis il tombe bien pendant un match. Donc, ça doit interpeller, comment dirais-je, tous ceux qui sont autour et qui organisent les compétitions sportives, hein, il n'y a pas que le football, le ministère au premier chef, la fédération, la LINAF, de manière à ce qu'il y ait un accent beaucoup plus particulier sur le contrôle médical, c'est important. Je crois qu'il ne faut pas faire dans la fantaisie. Parce que personne ne peut l'admettre qu'on va à un entraînement et puis on revient dans le cercueil. Hein. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... vous savez, la santé, selon la définition de l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, n'est-ce pas? Et qui ne consiste pas seulement à un manque de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire en fait que la notion de la santé, elle est complexe. Quelqu'un qui ne dort pas bien, quelqu'un qui a des soucis de famille, voilà, bref, n'est pas forcément en bonne santé. Oui. Donc... il y a plusieurs paramètres qui peuvent faire en sorte qu'un joueur se retrouve sur le terrain dans un effort et ne tienne pas, alors qu'il a fait quelque temps avant un contrôle médical qui le déclarait apte, n'est-ce pas, à la pratique sportive. Donc je crois que c'est un ensemble d'éléments aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas simplement que les problèmes cardiaques. D'où le travail des psychologues. Voilà, je crois que c'est un ensemble. Très important. Voilà, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut prendre ensemble, il faut prendre en compte. Déjà, l'environnement du joueur, c'est-à-dire son club. La plupart sont de marre avec des salaires impayés, on en sait quelque chose. Voilà, et l'environnement du joueur. La grève des joueurs d'Akanda, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ça, c'est déjà une situation. L'environnement du joueur, donc dans son environnement professionnel. Il faut bien regarder comment effectivement les équipes s'organisent, comment les équipes sont structurées, pour que la fédération et la LINAF puissent appuyer, n'est-ce pas, les équipes sur le plan médical. Il faut quand même souligner, hein, Ephraim,
généralement on tire à brûler sur les clubs, mais écoutez, ces clubs là font aussi beaucoup d'efforts, hein. Ils font énormément d'efforts financiers. Voyez-vous, l'aide de l'État arrive généralement quand on est professionnel. Oui. Mais le parcours qui amène les équipes, le parcours amateur qui amène les équipes à être professionnelles, ce sont les équipes. Mais oui, mais justement, c'est pourquoi il y a cette tête d'aide de l'État, parce que on veut les emmener à quitter de l'amateurisme au professionnalisme. Mais justement, c'est-à-dire que ce que je sens. Ça voudrait dire qu'on ne doit pas attendre l'aide de l'État toute une éternité. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Vous créez votre entreprise, vous n'avez pas demandé aux gens de vous aider. Justement, c'est un aspect important que vous souligniez. Oui. Parce que, vous savez, le club, c'est la cellule fondamentale, hein, c'est la cellule structurelle et fonctionnelle fondamentale, n'est-ce pas, du corps fédéral. Oui. C'est comme dans le corps humain. Hein, la cellule. C'est la structure de base. Oui. Ok. Donc, il faut concentrer toutes les politiques sur le club pour permettre à ce que le club puisse, à son tour, faire le travail qu'il doit faire, c'est-à-dire former les joueurs, éduquer, ainsi de suite. Donc, si l'environnement du club, n'est-ce pas, n'est pas assaini, hein, je parle de la LINAF et la Fédération qui doivent effectivement accompagner ces équipes-là, n'est-ce pas, dans la formation, oui, n'est-ce pas, dans la gouvernance. Dans l'aide que la fédération peut apporter via les aides de la FIFA, oui, n'est-ce pas, et tous les stages qu'il faut mettre en place pour aider les équipes, ça va être difficile. On va toujours condamner les clubs. Je suis d'accord qu'il y a certainement des clubs qui ne font pas ce qu'il faut faire, mais il y a un fait aujourd'hui, Ephraim, c'est que si vous créez votre équipe aujourd'hui, oui, ben vous commencez par être amateur. Tout à fait. Vous ne commencez par être professionnel. Vous dépensez de l'argent. Ok. Bon, il y a un environnement économique aujourd'hui qui est difficile, hein, et tout le monde n'a pas les milliards. Oui. Mais j'avoue, au-delà de ça, que tout le monde doit faire des efforts. Il ne s'agit plus simplement du club. C'est une question qui dépasse le cas des clubs. Tout le monde doit faire des efforts. Il y a un département médical au niveau de la FIGAFOOT. Donc, il faut peut-être intensifier, comme je disais, les contrôles, mais donner des sortes de notices, je ne sais pas trop, oui, dans les clubs, de manière à ce que... au niveau de l'alimentation, au niveau des efforts à fournir, qu'il y ait un certain nombre de repères, peut-être pour faire de la prévention. D'accord. Merci, M. Mouti. Donc, on va tout de suite aller du côté du stade de Nzaïon dans le 6e arrondissement, suivre l'arrivée, les hommages des anciens coéquipiers de Moïse Brou à Panga, à leur champion, décédé il y a de cela près de 3 semaines, de suite d'un arrêt cardiaque. Le reportage est signé de Mosconi Ngonouba. Hein? Oui? Il quitte désormais le monde du sport pour un repos éternel après une brillante carrière. Moïse Brou à Panga reste à jamais gravé dans la mémoire de ses coéquipiers. Certains d'entre eux n'ont pas caché leur tristesse et leur désarroi. Dans les tribunes, le scénario est identique. Visiblement amortie et affligée, l'épouse du défunt est inconsolable. Un dernier hommage lui est rendu par ses coéquipiers pour lui témoigner toute leur reconnaissance. Comme beaucoup d'anciens footballeurs, Moïse Brou à Panga a fait ses premiers pas dans les villes d'Abidjan en se servant des boules rondes faites de tissu enroulé comme un ballon. Entreprenant un long périple à travers l'Europe, mais c'est au Gabon qu'il trouve un point d'attache et des nouvelles racines avec lesquelles il fera une très belle carrière internationale. Alain Giresse s'en souvient. Gabon, il s'engage avec le club du SC105 avec lequel il participe à la Coupe de la CAF en 2005 avant de rejoindre le club de Brest, Ligue 1 française qu'il quittera d'ailleurs 3 saisons plus tard
pour un retour dans son pays où il rejoint tour à tour Manga Sport, Akanda FC et enfin de retour au FC 105 pour ses derniers jours et sa dernière séance d'entraînement. Il laisse derrière lui sa famille sportive effondrée en larmes. Mais très vite, une rencontre de gala a été initiée par ses amis et coéquipiers afin d'honorer une dernière fois la mémoire de l'homme qu'on appelait affectueusement Brou. Nous restons toujours du côté du stade de Nzaïan pour parler de cette cérémonie protocolaire aux hommages de Moïse Brou à Panga, disparu il y a de cela quelques semaines. Parmi les personnalités présentes figurait le ministre de la Jeunesse et des Sports, Christian Nicole Asselé, qui était présente. Mais on a tout de même constaté l'absence des responsables de la Fédération Gabonaise de Football. Et était également présent l'ancien coach des Panthères du Gabon, Alain Jurès, qui a effectué le déplacement de Bamako pour venir dire au revoir à celui-là qui fut l'un de ses meilleurs défenseurs lorsqu'il fut entraîneur des Panthères du Gabon. Oui, moi j'ai bien apprécié ce déplacement d'Alain Jurès. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai, Brou était un excellent joueur, formidable défenseur. On n'a pas besoin de le rappeler, tout le monde l'a vu jouer. Et sûr qu'il reposait les espoirs d'Alain Jurès sur le plan défensif des Panthères. Oui, déjà à 105 et dans les Panthères, oui. Avec Ekwele, il formait un duo, une paire difficile à manœuvrer. Manœuvrer. Oui. Donc voilà, on a eu l'occasion de le constater. Et il faut souligner aussi que l'État, n'est-ce pas, et c'est pas souvent, il faut le reconnaître, que l'État a fait des efforts, a fait un geste, je dis, assez salutaire par la décoration à titre posthume, hein, oui. La distinction à posthume. C'est une reconnaissance, oui. C'est une reconnaissance, effectivement, du service que Brou a rendu au pays. Brou n'est ni de père ou de mère gabonais. Il a accepté de jouer pour le pays sans rien demander en contrepartie, parce qu'on a quand même des cas chez nous. Oui. Entre griffes, des binationaux qui ont parfois reçu... Qui viennent monnayer leur talent. Voilà. Donc, et la Brou, suite, vous la connaissez. Voilà, Brou ne l'a pas fait. On est éliminé au premier tour de la CAN. Voilà, on l'a vu, mais sur le terrain, il jouait sans réserve. Il avait vraiment cet amour pour le maillot, comme s'il était d'origine gabonaise à la base. Donc c'est quelqu'un à respecter, vraiment paix à son âme. Donc voilà, c'est une bonne chose que le ministère et l'État au plus haut niveau aient pu accorder à Brou, n'est-ce pas, ses honneurs. Oui. Il faut aussi citer à côté l'excellent travail qu'a fait l'association des footballeurs, le syndicat, qui a été présent depuis le départ jusqu'à la fin. J'ai eu personnellement l'occasion de les approcher. Et je pense que cette dynamique, si elle peut continuer... Elle donnera une formidable image également de nos footballeurs qu'on voit souvent à la télévision en train, oui, de nous crier parfois sur les clubs. Mais là, l'association s'est exprimée sur un domaine assez sensible. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut compter avec cette association. Je voulais quand même revenir sur l'information que vous donnez. La, oui, fédération, je pense avoir aperçu quelques responsables de la fédération. Hein. Je crois, oui, qu'il y avait M. Bingouma, le chargé de la communication. Oui. Il y avait, je crois que M. Nguyaman et le docteur Mouyopa, je crois qu'ils sont les membres de la fédération. Il manquait peut-être le président. Le président, et le les secrétaire adjoints, général. Le secrétaire général, oui, n'y était pas. Bon, les deux vice-présidents n'y étaient pas. Comment justifier ces absences? Je pense que l'absence du président fédéral est liée de l'arrivée du président de la CAF. Qui par venait rapport ici, la, par rapport à la CAN U17. Oui. Et j'aimerais aussi souligner l'absence de ces vice-présidents. Eux aussi sont allés recevoir le président de la CAF. Peut-être aussi accompagner le président de la CAF et après gentil. J'aimerais un peu revenir sur la présence du public sportif gabonais au stade de Nzaïan, qui pour moi n'a pas répondu à la hauteur. Pour quelqu'un qui a rendu des grands services à la nation, je pense qu'à Panga devait recevoir un hommage vraiment. Est-ce qu'il y a eu une communication à ce sujet? Le peut-être là. Parce que, est-ce qu'il y a eu assez de communication? Est-ce qu'il y a des directives? Parce qu'il y a eu plusieurs annonces sur la sortie de ce corps. Mmh. Et finalement, on peut croire que très peu de gens férus du ballon rond étaient informés de la sortie du corps de Brou à Panga samedi dernier. Oui, je pense qu'on peut relativiser. Il y a eu du monde. C'est vrai que, bon... C'est pas ce qu'on attendait. Certains attendaient qu'il y ait plus de monde. Oui. Maintenant...
Est-ce que tout le monde avait l'information, la bonne information? La bonne information, parce que le corps était prêt pour sortir vendredi. Oui. Après, il y a eu le samedi. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de communication sur la question? Mais on va pas excuser, on va pas excuser ceux qui sont pas le venus. Le plus important que voilà, le Gabon voilà. rendre les hommages. Hein. Je pense que lorsque le grand chancelier arrive au stade et que le ministère est représenté, je pense que pour moi c'est ce que je vais retenir. Hein, Bro a été au plus haut niveau honoré par le pays. Il a été au plus haut niveau honoré par les pays et je crois qu'il faut retenir, ce geste. Dans le déplacement des gens, on peut relativiser. D'accord, donc on va repartir du côté du stade de Nzanayan pour vous permettre de suivre la suite de cette cérémonie protocolaire aux hommages à Moïse Brou Apanga, ancien international gabonais. Reportage. Un tonnerre d'applaudissements à l'arrivée de la dépouille au stade de Nzanayan. Les délégations du ministère de la Jeunesse et des Sports et les instances du football gabonais ont honoré et salué l'arrivée de la dépouille. Prenant la parole, le président fondateur du club FC 105 a retracé le parcours de Brou Apanga et les conditions de son décès. Le docteur Nicolas Sellé, ministre de la Jeunesse et des Sports, a tenu à couronner les performances sportives de ce footballeur du haut niveau qui nous a quittés si brusquement. Après la cérémonie des discours, place au dépôt de la gerbe de fleurs. Un acte qui n'a pas laissé insensible la grande famille du football gabonais. Un hommage rehaussé par la présence d'Alain Jurès aux côtés de ses anciens joueurs qui ont accompagné dignement Brou Apanga dans sa dernière demeure. Un geste d'amitié et de fraternité de son ancien sélectionneur qui a montré un exemple d'amour et de complicité qu'il a eu dans cette équipe des Panthères, notamment avec ses joueurs. Brou Apanga, le Gabon te dit merci et que la terre te soit légère. Après ces hommages, donc une rencontre de football a eu lieu en 3 fois 17 minutes. 17, c'est parce que c'était le dossard que portait Brou Apanga, qui jouait à l'équipe nationale. Et ces images, vous les aurez au cours de nos prochaines éditions. Donc nous ouvrons le dossier de ce magazine de sport avec l'imbroglio autour du logo de la Fédération gabonaise
de football selon l'article 1 hein, des dispositions générales au sein de la Fédération gabonaise de football, alinéa 7, il dit, je cite, l'emblème et le logo de la Fédération gabonaise de football est un ballon de couleur jaune bariolé de l'inscription Gabon, elle-même écrite en couleur jaune en lettres majuscules sur fond vert, le tout déposé sur un support de couleur bleue comportant une inscription blanche écrite en majuscules d'abord. Donc Gabon d'abord, un slogan qui sort des premiers précurseurs de la République gabonaise. Donc je vous montre les textes de la Fédération gabonaise de football qui sont ici, sortis de l'Assemblée générale de 2013, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été modifiés, mais on s'étonne que depuis pas mal de temps déjà, la FEGAFOOT hein, utilise deux logos, à savoir la Panthère et Gabon d'abord. C'est depuis l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ce qui cause notamment l'imbroglio que nous connaissons aujourd'hui. Sur les lettres officielles, c'est deux logos, Gabon d'abord et la tête des Panthères. Et sur le maillot national de la République du Gabon, donc le maillot jaune des Panthères du Gabon, c'est juste la tête des Panthères. Donc on ne comprend rien. Monsieur Christian Mouti. Oui, mais écoutez, moi je... Vous qui êtes un habitué de la question. Oui, parce que cette question m'a déjà été posée. Oui. À la suite d'un constat, je me suis prêté à la question. Et puisque j'ai des informations sur le statut de la FEGAFOOT, oui, j'étais quand même assez curieux de constater que on avait à la place du ballon notre logo. Oui. Mais il faut rappeler déjà, vous le disiez tantôt, que le logo est statutaire. Oui. Donc, dans les dispositions générales, les statuts qui régissent effectivement le fonctionnement de la fédération, nous avons le logo qui est inscrit et tout le monde peut le consulter. Donc, le logo officiel de la FEGAFOOT, c'est bien ce ballon. Oui. Donc, dans les documents administratifs, depuis un moment, et c'est vrai, bon, le logo de la FEGAFOOT n'apparaît pas. Oui. Je crois que c'est même repris aujourd'hui par certains organes comme la LINAF. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas le logo de la fédération aujourd'hui, n'est-ce pas, qui figure sur les documents, puisque oui, les statuts n'ont pas été modifiés. Modifiés, oui. Je pense qu'il faut modifier les statuts pour intégrer un autre logo lorsqu'on pense qu'il faut le changer, sinon ça ressemble à un sur le désordre. C'est-à-dire, bon, monsieur Ephraim, vous arrivez à la fédération, ben vous trouvez que bon, il y a un logo qui vous intéresse, et ben oui, vous commencez à le mettre sur les documents administratifs. Le jour que l'équipe va jouer, ben vous trouvez le moyen de mettre est-ce, est-ce, est-ce que les dirigeants actuels, je parle de ceux de la Fédération gabonaise de football, par ce geste, ne voulaient pas là, comment pourrais-je dire, marquer leur passage à la FEGAFOOT en changeant le logo, mais sans pourtant s'enrimer au texte? Oui, c'est difficile à comprendre. Hein. Je pense qu'ils seront le mieux placés à répondre à cette question. Mais dans les faits, c'est que les faits sont là, je vais dire, oui, dans les statuts de la FEGAFOOT, mais le logo, c'est le ballon. Oui. Donc, on n'a pas de support juridique aujourd'hui, bon, enfin, autre que les statuts. Parce que les statuts, ce sont les textes qui régissent le football sur le plan national. Au-dessus, il y a les statuts, évidemment, de la FIFA et, bien évidemment, la loi gabonaise. Mais il n'y a pas un autre document aujourd'hui qui aura valeur des statuts pour justifier effectivement l'utilisation de ce logo. Mais et on voit que excusez-moi, ça c'est ma manière à moi de penser. Depuis que le logo Gabon d'abord a disparu déjà des couleurs, hein, des couleurs de notre sélection nationale, on a comme l'impression que ces joueurs-là jouent avec moins d'envie. Parce que ce Gabon d'abord modifiait la manière même de réfléchir de chaque individu qui arborait les couleurs nationales. Aujourd'hui, ce n'est nullement plus mentionné, Gabon d'abord, c'est juste une tête de panthère qui ne reflète absolument rien. On sait que l'équipe nationale du Gabon, c'est les Panthères. D'accord. Mais quel est le slogan de cette équipe? C'est quoi le slogan qui peut pousser à un joueur de se surpasser sur l'aire de jeu? C'est quoi? En pensant Gabon d'abord, rien que par l'écriture Gabon d'abord, vous pensez tout de suite que vous êtes venu pour accomplir une mission, elle doit être accomplie. Aujourd'hui, on l'a vu à la CAN 2017, réservée aux seniors, l'échec des Panthères du Gabon,
on la voit de nouveau avec cette CAN U17 réservée aux moins de 15 ou 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, c'est l'échec total avec un 5-1 enregistré il y a de cela quelques heures face à la Guinée-Conakry. Oui, allez-y. Il faut aussi se souvenir que ce logo, ce nouveau logo qu'impose la fédération aujourd'hui est mis sur des maillots qui on ne sait pas d'où sont ces maillots. Et on n'a pas d'équipementier. Les maillots ont été achetés par qui on ne sait pas. Donc ça voudrait dire que Adidas, que nous arborons aujourd'hui, c'est pas un contrat. C'est pas un contrat. Ce sont des maillots qui ont été achetés sûrement conçus par un individu. Marché noir. Oui, je crois qu'il y a un problème d'équipementier, c'est à la fédération aujourd'hui. Donc c'est Puma s'est retiré. Et subitement on arbore les couleurs Adidas. Voilà. Maintenant, effectivement, comme vous le disiez tantôt, dans le cadre de la communication externe de la fédération, même interne déjà, ce logo pose problème. Oui. Mais sur le plan de la communication externe, donc le grand public qui voit, vous allez à la fédération, vous avez le logo qui est sur le bâtiment. Oui. Alexandre Samba. Oui. Gabon d'abord. Voilà. Vous avez des survêtements et même quand les joueurs là s'entraînent, ceux qui jouent actuellement. Oui. On sait survêtement. Vous verrez le voilà. Maintenant, après, il y a d'autres maillots. Donc, il y a comme un conflit entre deux logos. Et ça pose un problème d'identité. Et vous avez dit derrière, les logos renvoient à certaines valeurs. Oui. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Il est important que la structure fédérale aujourd'hui, que le bureau exécutif de la fédération, qui est là pour veiller à l'application des statuts, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'une de ses missions essentielles. Plus, en fait, édifier les gens. De manière que ça soit beaucoup plus clair, au lieu qu'on vive dans une sorte de confusion et tout ceci peut impacter aussi sur les résultats de notre équipe. Oui, mais ça se voit à travers les dernières sorties des 11 Gabonais. Donc je vous invite à suivre ce reportage signé de Inès Munga Mombo de la Savane en ce qui concerne, de la Savane autant pour moi, en ce qui concerne le logo de la Fédération Gabonaise de football. Reportage. Moultes questions taraudent les esprits de la population en général et des férus du ballon rond en particulier sur le logo de la Fédération Gabonaise de football quand on sait qu'aujourd'hui, sur certains documents administratifs de cette institution, il existe deux logos, à savoir le ballon jaune avec des inscriptions et la panthère noire, une situation mal vécue par plus d'un qui perçoivent cela comme étant une cacophonie dans la tête du grand nombre, d'où l'intérêt de notre rédaction d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à cet état de fait. Selon l'article 1, alinéa 7 des statuts de la FEGAFOOT, le logo de la FEGAFOOT est ce ballon jaune bariolé de l'inscription Gabon elle-même, écrite en blanc sur fond jaune, le tout déposé sur le support de couleur bleue inscrit en majuscule Gabon d'abord. Le constat fait est que celui-ci n'est plus respecté, d'où ce désarroi. Thank you.
il va falloir que le président de la Fédération Gabonaise de Football prenne ses responsabilités en vue d'édifier davantage la population. D'aucuns estiment que le logo de la Panthère n'a pas sa place ici quand on sait qu'on parle de football. Un argument que seul l'inventeur de ce logo pourrait apporter. Rappelons que ce logo a vu le jour cette année avant le démarrage officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Et pour votre gouverne, hein, vous savez comment est né Gabon d'abord. Allez-y. Au cours d'une rencontre où le Congo, oui, où le Congo avait battu le Gabon, je crois, à Brazzaville, 3-1. Et au retour, le président, feu président Léon Mba, a pris une décision en disant Gabon d'abord. Et au retour, je crois que le Gabon avait gagné 4-0. Et depuis lors, le logo Gabon d'abord est resté imprimé sur les maillots de la Fédération Gabonaise de Football. Pour dire, Gabon d'abord, vous avez perdu 3-1, au match retour, vous devez gagner. Et tout ceci justifie, quand les sélections nationales portaient ce logo, malgré les défaites, on sentait l'envie de jouer. Oui, oui, vous voulez aller très rapidement. Dans leur nouveau logo ou ce qu'ils ont là, ça existe, hein, tout ça, Gabon d'abord, mais oui. C'est pas visible. Et voilà, il faut bien regarder au fond pour voir que ces écritures-là existent. On ne voit plus ce ballon. Ça ne se voit plus vraiment. Ce qu'ils veulent mettre en exergue ici, je pense, c'est le chat, c'est la panthère. Bon, d'accord. Il faut officialiser ça parce qu'ils savent que les Gabonais ne vont pas l'accepter. Bon, d'accord. Donc, on va suivre la suite de cet élément avec la réaction de certains responsables de groupes de presse suivant ce reportage.
Donc le débat reste ouvert en ce qui concerne le logo de la Fédération gabonaise de football. Nous restons dans le football pour parler de cette caravane U17 qui s'est ébranlée depuis quelques jours dans plusieurs artères de la capitale gabonaise. Et le week-end dernier, cette caravane était du côté de la plage du lycée national Léon Mbaye, histoire de mieux vendre la CAN U17 de football qui s'y tient du 14 au 28 mai prochain à Libreville et à Port-Gentil. Reportage. Pendant 7 jours, la caravane dédiée à la CAN U17 de football qu'abrite le Gabon sillonne les artères de la capitale gabonaise après le show organisé à la cité Sinouvendo, PK12 et le rond-point d'Nzangayon. Le tour est revenu aux baigneurs de la plage du lycée national de Yomba d'accueillir les caravaniers au grand complet, tous avec un objectif commun, mieux vendre la CAN U17 de football auprès de ces populations. Sur le podium, l'ambiance était au rendez-vous. Des artistes se succèdent à tour de rôle, chacun avec sa recette et des sonorités aussi différentes les unes que les autres. La CAN y est présente et les communautés apprécient. L'Afrique, en fait, c'est au Gabon que ça se passe. Après les rendez-vous de janvier dernier, les revoilà sur scène, cette fois-ci destinés aux plus jeunes. Pour parler de cette CAN U17 de football au Gabon qui a été défait hier par la Guinée-Conakry, 1-5, le Ghana a su dominer le Cameroun 4-0. Ce jour dès 15h30, le Mali sera face à la Tanzanie. Le Mali qui est du reste tenant du titre de cette compétition. Et à 18h30, du côté de Port-Gentil, l'Angola sera face au Niger. On parle des coupes africaines, des clubs en coupe de la CAF, le tout puissant Mazembe, tenant du titre de cette compétition, a dominé le CF Mounana 2-0. Rugby dans ce magazine avec le championnat national, 20e journée, Vautour 15, Rugby Fan 11-29. C'est ainsi que s'achève ce magazine de sport qui vous a été présenté autant pour moi, par moi-même, et au centre se trouve Mouiti Christian, consultant TVS. À sa gauche se trouve Yasser Nicolandon. L'équipe technique était composée à la régie de David Mitola, au cadre Bertrand Koumilikandoumba et Fleury Assondo. On se dit tout simplement au revoir, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h avec toute l'équipe en place. Bonsoir. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça va.